Bon. Alors, après l'épisode précédent où j'ai pris le coffre plutôt que d'aller dans la Devil Room, je tenais juste à vous dire un truc. Au moins, j'ai avancé dans le jeu et j'ai battu Mom's Heart. Et peut-être que ça n'aurait jamais pu arriver. Donc dites-vous bien qu'au moins j'ai avancé dans le jeu. Et ça, c'est ce qui compte. De toute façon, des runs craqués, il y en aura d'autres, j'imagine, si on continue le jeu. Et sinon, il n'y en aura plus, tant pis. Vous savez que je suis qu'à 8 heures de jeu. J'ai regardé mon Steam là. Je suis à 8 heures de jeu sur Isaac. Je pensais que ça allait faire plus, mais en fait, non. Donc voilà un résumé de l'épisode précédent hein, de Isaac. Vous pouvez aller le voir. Il y avait tous ces items là. C'était formidable. On a one shot Mom's Heart. Et voilà. Donc du coup, on va partir sur une nouvelle run. Mais avant, on va prendre Eden. Voilà, Eden. Évidemment, je vais remettre le son du jeu, bien sûr. On va remettre Eden. On va réessayer un Eden. Au moins, il sait qu'il doit pas prendre le coffre. Non, mais il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Alors. Oh, pas mal. Est-ce que je suis pas mal, là? 2 en damage. 3 en range. Ça va quasiment au bout de la salle. Non, pas du tout. C'est quoi mon item? Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Ah oui, c'est une sorte de bombe, d'accord. Bon, c'est bien. Moi, j'aime bien ce côté random. Hop. Oh, salut Purpley 33. Attends, je vais mettre mes lunettes. Hop. Merci à toi, Purpley 33, son abonnement à la Zerator Télévision. Tiens. Alors, Eden, un perso rigolo, car il est complètement random, mais il faut abattre le cœur de maman. Pour débloquer le fait de pouvoir jouer avec un token par Mom's Heart. Par Mom's Heart. Bon, évidemment, là on est au début du jeu, on est nul. Je suis assez content quand même du précédent run qu'on a fait parce que ça partait pas pour avoir de la craquance abusive. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un coffre rouge là? Mais putain, mais comment je peux prendre des dégâts de ça? Et on a des clés! On a déjà des clés, c'est bien! Et on a l'item room juste ici, qui ne nécessite pas de clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Poison damage. Oh là là! Putain, j'ai failli me prendre le truc, je regardais pas. On va s'éloigner un petit peu, d'accord? Donc bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes sur Binding of Isaac Rebirth, évidemment. On est sur boire. Nous faisons un jeu à boire. Et voilà. Hop! Allez, mourez. Mourez les cacas joyeux. Meurs. Une fois que t'as tué 10 fois Mom's Heart, il se transforme en IT Lives. Quoi? T'as l'item double drop, non? Est-ce que j'ai l'item double drop? Je sais pas. Oui, c'est ça. J'ai l'item double drop ici. Et ça, c'est... bon, ça, c'est poison damage. Effectivement, j'ai l'item double drop. Est-ce qu'il y a un rocher marqué? Bon, pour une bombe, est-ce que ça va me débloquer le chemin ou pas? Je m'en rends pas compte. Ce serait ballot. Ah, fuyez! Bien! Pour une bombe, on en a récupéré 3. Enfin, 2 en plus, du coup. On va pas aller au marchand. On va vider un peu l'étage. On se paie un coup à boire. On se paie un coup à Binding of Isaac Rebirth. Meurs. Des bombes, c'est toujours bien. Des bombes et des clés! Oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh merde! Juste sur Isaac, pour ceux qui ont ragé sur le chat, il faut battre une dizaine de fois le cœur pour pouvoir aller combattre Satan ou Isaac. Donc Zerator en est encore loin. Ah, il faut battre Isaac? Pourquoi faire? Mais enfin, pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Hein? Je vais me le prendre. Il y a un rocher marqué là. Go! Une bombe, pourquoi pas. Et un cœur d'absorption, formidable. Salle de sacrifice, non merci. On y va! Allez, on y va! Salle secrète entre la grande salle et la boutique. La grande salle et la boutique. Là? Comment vous savez? Comment vous savez qu'il y a une salle secrète? Putain, vous êtes fort. Vous êtes vraiment fort. Alors attention, il y a des champignons. Champignons, c'est cool parce que pilule. Oh, trop bien, on va y voir la masse de pilule. Chut, t'as des pilules. Allons-y. Oh, c'est trop bien. Oh, trop bien. Putain, à chaque fois j'ai cet item. J'ai trop de chance. Phéromones encore.
Ça c'est quoi? Are you a wizard? Et ça? Parce qu'elle est entourée. Ah, quand elle est entourée, c'est forcément qu'il y a une salle secrète. D'accord. Oh putain! Ça tire sur le côté! Oh non! Fin du game, non? Kurglings. C'est pas la fin du game, un peu, là? C'est pas un peu chiant, cet item, là? Ah, c'est bon! C'était temporaire! C'était temporaire! Horrible. Putain, j'ai un début de run vraiment cheaté. Regardez, cette vitesse d'attaque... Ah, merde, j'ai marché dans le truc. Je suis nul. Are you a wizard? Ça dure qu'une minute, normalement. Ok. Oh, merde, je suis nul! J'ai perdu mon cœur d'absorption. Ah, mais je peux aller nulle part! Ah oui, non, mais c'est horrible! Ah, mais attendez, je vais mourir, en fait. Non, mais en fait, c'est dur comme boss. Parce qu'en fait, on peut pas... Ils nous en... Parce qu'en fait, je vous explique. La traînée derrière eux, après, on peut pas marcher. Oh, mais putain, je suis tellement nul! Oh non, ça va pas se finir ici, quand même. Ce serait trop dommage. Bon, déjà, il y en a un qui est mort. Ça va simplifier la chose. C'est bon, c'est bon. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh putain, franchement, GG Zera. C'est ton même kill sur toi, 80% qui regarde toutes les 5 secondes, 10% qui disent le jeu est nul et 10% qui pensent pitch que dalle au jeu. Merci Sarko Loutre. You unlocked the cellar. Cœur d'absorption. Qu'est-ce que c'est que ça? Shot speed up. Oh putain. Ça va le début? The moon. Ah, la salle secrète directe. La salle secrète directe. Tu vas vite mais tu fais zéro dégâts. Oui. Ça viendra. Oh mon dieu, encore des pilules. Tears up. Are you a wizard? Non merci. Télépills. What? C'est pas possible, c'est le run des pilules quoi. Tears down. Merde. Are you a wizard? Non merci. 48 heures énergie. Are you a wizard? C'est pas vrai. Tears up. Bon. J'ai l'impression que je tire moins vite que tout à l'heure. Oh putain. Oh, la salle de ouf, beaucoup trop dure pour mon niveau. Oh putain, 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 putain. Elles empoisonnent pas. Mes shots empoisonnent pas tous quand même. C'est 1 sur 2, ça. Non, c'est random, j'ai l'impression. Go! La chatte de ce mec. Oh mais arrêtez avec ça, c'est un roguelike. L'aléatoire et la chance font partie du jeu. Ma précédente run de Eden, je pense que toi tu l'as pas vu, celui qui a dit la chance. Parce que clairement, c'était pas fou, hein. C'était pas génial, la pharmacie. Rocher, il y avait un rocher? Ah oui, tu avais raison. Mais j'avais qu'une bombe, j'aurais peut-être dû le garder. Bon, 2 cœurs d'absorption, c'est bien. Oh putain. Oh non, mais c'est pas possible de prendre des dégâts comme ça, quelle nullité. Il est mort. Empoisonnement des larmes dépend de la luck. On peut pas le pousser, le tonneau, pour qui? Oh putain, c'est trop bien. J'ai eu de la chance là, clairement. Non, parce que pour une fois, j'avais vu le cœur. J'avais vu le machin. Hein? Comment ça s'appelle, Stupid Zerator? Ça s'appelle. Le rocher marqué. Putain, je galère quoi. Pourquoi il me pète dessus? Ça va pas? On pète pas sur les gens? Quel manque d'éducation. Qu'est-ce que c'est que ça? Flush. C'est quoi? C'est quoi déjà flush? Friends till the end. Ah oui, ça c'est vrai, c'est le truc qui fait péter, faudrait que je m'en serve. C'est quoi flush? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est nul, je voudrais avoir des items qui m'augmentent mes stats. J'aime pas les trucs que tu utilises, je suis trop nul. Tu trouves une pilule Tears Up, retiens la couleur et vends ta mère pour les obtenir à chaque fois que tu envoies. J'avoue. Just an English command passing through. Passing through. C'est un D6, chasse d'eau. Flush transforme tous les ennemis d'une salle en petit caca. Ouais, non, je prends pas. Je prends pas. Pas de rocher marqué ici, non. J'ai galéré quoi, une année. Waouh, quelle belle salle. Vive la génération aléatoire. Oh mon dieu, c'est...
Oh, le retour des mobs, chiant. Ah! Non mais putain. Ah mon dieu. Ah! Bon, là, pas de rocher marqué. Non, non plus. On y va. Eden versus the good. Ah! Il m'a pas touché. Normal. En fait, je vais me mettre au corps à corps. Ah d'accord. Pff, je pense pas qu'il pouvait faire ça. Putain, ça m'énerve. Oh non, mais je suis nul. Je connais... J'arrive pas à retenir le cooldown. Je suis nul, hein, putain. HP up. Ouais, je mérite bien ça. C'est quoi ça? Point d'interrogation. Speed up. Speed up. Bon, bien. Bien. Si, si, tu as pris les dégâts. Ouais, ouais, non, mais bon, tant pis. Allez, hein. On y va. Le boss, hein, c'est formidable. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Monstro. Heureusement, le boss est nul. Oh, putain. Attendez, parce qu'il y a d'autres gars. Il y a d'autres vieux gars. Il y a des vieux Isaac. Tiens. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais du calme. Voilà, ça, c'est bien quand tu fais ça, là, ton attaque. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut passer dessous, je pense. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à passer dessous. Tiens. Heureusement, ce boss est vraiment nul. Je pense que c'est le plus nul de tout Binding of Isaac, non? Oh, je voulais... Oh, je voulais passer... Oh là là, je voulais passer sous lui, ma bait. Ouais, bon, ok. Je dis que c'est le boss le plus nul et je perds toute ma vie. Mais c'est quand même le boss le plus nul, je pense, honnêtement, non? Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui y jouent? Ah, c'est vrai que j'aurais dû utiliser mon item, je suis bête. Est-ce qu'on prend ça? Ah non, ça en général on prend pas, vous dites. On prend pas. Oh mon dieu, des cœurs encore. Je prends pas, je descends sans voir la vie du chat. Oh putain, je descends sans voir la vie du chat. Oh là là. Faut vraiment que tu retiennes les patterns des ennemis, sinon tu t'en sortiras jamais. Ouais, ça va. Ça va, le chat confirme qu'il fallait pas prendre l'item. Je vise très mal. Allez, hein, courage. C'est quoi, en fait, ces vieux mobs? Ah ouais, ils te jettent des trucs violets dans la gueule. D'accord. C'est donc ça, tout ce tintouin, le... Connerie, d'accord. Il y a deux clés, mais je ne peux pas les atteindre. C'est insupportable. Bon, on verra plus tard. Pour la... La room machin, là, où tu perds des cœurs, là, c'est insupportable. Bon, alors... Tiens, ce que je lui ai mis, quoi. Sorte de tyran. Non, quoi que j'y vais maintenant. Au cœur du patin des ennemis, si vous avez du talent, vous gagnez. Faut pas dire ça. Ah, c'est peut-être... C'est quoi le feu violet? Est-ce que c'est genre rouge et bleu? Oh putain. Décidément. Alors ça, là j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui m'a fait des dégâts, quoi. J'étais ni sur le feu violet, ni sur le... Putain, ça m'énerve. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Ouais, donc là on est sur Minecraft 1.9, j'utilise un mode. Un tout nouveau mode. Hanged man. C'est quoi, Hanged man? Ça fait quoi? Dites les trucs. Allez, bordel! Putain. Ça a failli très mal se passer. Voilà, ligne droite, c'est bien. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait, cette carte, cette fameuse carte? Tu voles. Ah, mais que dans une salle, j'imagine. Pour fly dans une salle, ok. Donc clairement, on va aller chercher les clés avec. Et voilà. Et on va se permettre d'entrer là-dedans, du coup. Ah, il me faudrait la méga clé de ouf. Une pilule que je ne peux pas acheter, je suis trop totalement déçu. Go. Il y a un mec qui est arrivé sur le chat, il a mis... Putain, mais il connaît vraiment rien au jeu. Oh mon dieu. Ah, j'ai pas de bombe, ah oui. Je risque pas de pouvoir. Ah ouais, la pilule. Non, c'est bon. Ah, on peut pas. Chier. Attendez.
attendez. Attendez. Allez, saloperie. Go, volage. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un rocher marqué quelque part? Pas du tout, pas du tout. Allons-y. Ouais, hein. Parce que ça, c'est vite le piège. Je me suis concentré pour cette salle. Là, je disais rien. J'étais en mode, putain. C'est quoi ça? Sticky Babies. Ah, ça, c'est trop bien, ça. C'est pas genre que les mobs qui passent derrière moi sont ralentis? Je l'avais déjà eu, ça, il me semble. Ouais. Ouais, donc ça. Attendez. T'as ton item bombe et un deuxième Ranged Man. Ouais, je sais, je sais. Tu l'as dit, voler dans les salles de boss, c'est useless, non? Ouais, c'est ça, ils sont ralentis derrière moi, c'est ça, c'est ça. Exactement. Exactement. Tiens, t'es empoisonné, qu'est-ce que tu... Ah, qu'est-ce que tu t'as fait? Attends, je rigolais. Je rigolais. Pousse-toi, pousse-toi. Meurs. Encore un marchand. Non, sûrement pas. C'est des potes, ça? Ouais, c'est des potes. Araignée bleue, c'est des potes. Faut que je me souvienne. Putain, quel non-dégât je fais. Vraiment insupportable. Ah, 6 pièces. Attention, les caca coureurs. Oh, la vitesse. Et oui, parce qu'en fait, vu que j'ai un buff aléatoire chaque fois que je rentre dans une salle, du coup, si on a un buff genre Tears Up, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, et ben, du coup... Ah, mon Dieu. Du coup, c'est formidable. Oh là là. Oh, putain, là, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu de la chance. Oh, putain, mais la vitesse. Bon, il y a une machin là. Une défi room là, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas trop envie d'y aller. Pas trop envie d'y aller. À moins qu'on trouve des trucs bien là. Ouais. Bon, il y a des cœurs de l'autre côté. Mais bon, on a des cœurs noirs, des cœurs bleus. Bon. Attends. Ah ouais. The world. Ça, je vais le garder pour l'étage d'après. C'est quoi ça? Summon bomb. Ah ouais? Genre. Ah d'accord, excellent. Eh ben, j'ai bien fait d'essayer. Two of hearts. Non, je vais garder the world. Et je vais me casser. Go, la méga clé dans le magasin. Ah oui, vous avez raison! La méga clé! Go! Ouais, la clé, vous avez raison, j'arrive, go, j'arrive, go, j'y vais, c'était pas où, c'était par là. Non, c'était pas par là. Si, c'était par là. Non, pas The Ranged Man, The World, c'est mieux. Go, c'est par là, on y va, j'ai fait un petit détour. La clé. Less is now more plus two keys. Quoi? Ça fait quoi? Deux clés plus better chest. On a des chances d'avoir des meilleurs coffres. Ah là, j'aurais dû summon bombs là-dedans, je suis stupide. Allez, on y va! Utilise Two of Hearts. Mais non, Two of Hearts, ça me remplit que si j'ai pas de... Non? Tout à l'heure, on m'a dit, c'est que si tu perds de la vie, sinon ça sert à rien. C'était pas vrai? J'aime pas trop ce mob. Je vais attendre qu'il saute. Voilà. Fonce! Ah putain! J'ai raté, putain, je pensais qu'il allait apparaître devant moi, que j'allais pouvoir le pousser, et ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Excusez-moi, hein. Mass loot dans les chests. Ah ouais? Alors! Oh là là! C'est vrai qu'il accélère après. Oh mon Dieu. Quoi? Nul à chier! N'importe quoi! Pfff, ça me saoule. Comme si là j'avais pris un dégât, c'est n'importe quoi! Voilà, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça? Ah, des pilules. Qu'est-ce que ça fait? Are you a wizard? Mais putain, 48 hours énergie, télépills. Oh. Oh. Une room, qu'elle est bien. C'est quoi? Prayer card, reusable eternity. Ça fait quoi? Speed up the world. Ça fait quoi la carte que j'ai chopée, la fin l'item? Ça fait quoi exactement? Bombe l'Angel Room. Quoi? Pourquoi?
Vous êtes des sauvages. Bombe sur l'ange. Ah, mais j'ai pas de bombe, de toute façon. Donne un cœur blanc à chaque utilisation. Ah, ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et ça me rajoute un cœur. Je pouvais pas bomber l'ange, hein. J'avais pas de bombe. Mais je le ferai la prochaine fois. Tu l'as déjà eu, souviens-toi. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Je me rappelle le truc du cœur blanc. Ça m'avait valu bien des critiques au début de mes aventures de Binding of Isaac. À chaque étage, ça vous donne un cœur blanc si le cœur blanc n'est pas épuisé. Sauf si vous avez deux cœurs blancs et donc c'est pas mal de le faire. Ah ! Pas mal de le faire dès que vous pouvez. Excusez-moi, faut que je me reconcentre. Reconcentrons-nous, finissons cette run. Deux clés ! Enfin, finissons, avançons dans cette run. On n'a pas encore fini, enfin j'espère. On a quand même pas mal de vie pour l'instant. Ah, il faut que je fasse The World. Voilà. Oh putain, tellement horrible. Ce genre de salle quand t'as pas de dégâts, c'est vraiment. Vraiment l'enfer. Oh, ils sont coincés ! Pas du tout. Pas du tout. Déplacement aléatoire, les meilleurs mobs. Alors attendez, voyons la carte. Bon, allons à l'item room déjà. Allons à l'item room. Room. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Attendez. Attendez, meurs, saloperie de. Non. Oh non, j'ai foncé dans le truc. Bon, ça c'est pas très grave, cela dit. Quand j'ai que des cœurs rouges, c'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est que ça? She loves you. Oh, trop bien. Bonsoir. Le premier de ce deuxième mois d'abo. C'est cool tes streams. Eh, merci monsieur Findus. Toujours là monsieur Findus. Toujours présent. She loves you. Regardez, j'ai une petite bête à côté de moi. Là-bas, il y a un magasin. Fonçons au magasin. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est bien que j'ai des clés. Parce que là, vu que je vais avoir des better chests. Truc bidule, et ben du coup c'est bien. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais c'est bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien. D'accord? Retenez que c'est bien. Ça spawn des araignées. Ouais, mais là c'est pas mal là. Donne des loot! What? Ah oui, en effet! Ah oui! Je pourrais acheter la grosse mouche, mais je vais acheter ça. Oh! Il faut que j'achète la batterie. Après. Vachement bien ça. Faut que j'utilise ma carte et que je trouve suffisamment de goldesse pour acheter la batterie. Faut que je trouve une pièce. Ça... Oh non mais putain, Zerator, fais attention un petit peu. Il y en a marre là, merde. Une pièce, non. Non là c'est la salle du boss, j'ai pas envie. Ça me permet d'avoir un cœur en plus. Les dégâts du loot. La mouche OMG. Mais non, pas la mouche OMG. Ah mais là ça va faire un passage, non? Suivez-moi, je connais un passage. Ah ouais. Vous aviez dû me le dire, mais j'ai mal lu. Oh, putain, la pluie de goldest. Ah bah je vais acheter la mouche du coup. La grosse mouche, OMG. Ok. On y va. On y va. Giant spiders and flies. Mais ça c'est pour toujours? Ah mais oui, c'est pour toujours. Je pensais que c'était le truc... utilisable une fois. Ouais, il faut que je trouve des goldesses quand même. Ah, il y a une secret room là. Imbécile. Imbécile. Go. C'est quoi ça? Je prends. Je prends. HP up. Oh putain, on va avoir masse cœur. On a vu que c'était pas forcément une bonne chose hein, d'avoir la masse de cœur la dernière fois. Hein, c'est ça. J'aurais pas dû entrer dans cette salle alors que en plus j'ai la découverte de la carte. Je suis stupide, au secours! Allez, on essaie de pas perdre le cœur d'absorption, courage! Courage, Zerator! Oh putain. Heureusement, j'ai les petites mouches qui m'aident, hein. Non, mais ça va, elles explosent pas celles-là. Tiens. Fais gaffe à ne pas avoir trop d'HP. Ah ouais, clairement, je vais bientôt m'arrêter. Le problème, c'est qu'avec ma carte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec ma carte. Oh mais putain, mais je suis tellement nul. Pas possible d'être aussi nul. Y'a quoi là-dedans? Une batterie. Ah oui, donc là, hop. Hop, hop. Voilà, on peut acheter une autre batterie là-bas, mais si on a deux goldes seulement. C'est ça, meurt avec la puissance de mes pets. Oh non, pas ça. Bon, ça va. Oh, grâce aux araignées.
et à ma méthode de loot, eh bien, cette salle, c'est du gratou. Il y a peut-être même un rocher marqué là-dedans, qui sait. Putain, putain. Ah, c'est tellement horrible. Reviens ici, saloperie. Reviens. Des gold. Donc là, j'ai assez de gold pour la batterie. Mais est-ce bien la peine? Oh, bordel. Je déteste tes mobs. Quoi? Ah oui, j'ai marché dans le sang, d'accord. D'accord. Pourquoi il veut pas avoir trop d'HP? Mais parce que, enfin, réfléchissez. Des pilules. Comment ça? Comment ça? Vas-y, ça me saoule. Jeu nul. Roche bleue sous la secret room. Quoi? Sous la secret room? Devant l'entrée de la secret room. Quoi? Genre là? Ah oui! Exact! Et pourtant, on y est passé il y a une année. Comment vous... Vous êtes bizarre. Bon, du coup, je vais pas acheter la batterie, hein, c'est pas grave. Hein? D'accord. Non, parce que là... Je commence à avoir trop d'HP, en fait. Je pense que je vais m'arrêter là, pour les HP. Je vais jeter la carte. Enfin, je vais essayer de trouver un autre item et de plus l'utiliser. Je trouve ça trop bien d'avoir masse HP. Ouais, mais non, parce qu'après, quand vous pouvez plus prendre de cœur d'absorption, vous l'avez dans le cul. Ça m'est arrivé à un run... où j'étais full cœur rouge. Vous pouvez plus prendre de cœur noir, plus prendre de cœur bleu. Oh, ça rase! Et bah, croyez-moi que vous êtes bien déçus. Oh, le pentacle, ça, il faut le prendre. Ça monte les damage. Je m'en rappelle. Le pentagramme, pas le pentacle. Et il y a une evil room, j'ai vu. Enfin, une machin. Ah, et si j'avais pas pris cette machin, j'aurais pu bomber l'ange. Mais on ne bombera pas l'ange. Oh! Et oui, mais non! Bon, tant pis. Tant pis, faisons ça. Faut que j'arrête vraiment avec les HP là. J'en ai trop, hein, j'ai que 3 trucs. En fait, je vous explique. Pour ceux qui connaissent pas bien le jeu, parce que moi j'ai découvert ça récemment, on ne peut avoir que 2 lignes de cœur. Ce qui fait que si j'ai toutes les lignes en cœur rouge, après je pourrais plus prendre de cœur bleu ou de cœur noir ou de trucs comme ça. Donc c'est pas bien. Vous comprenez? Alors là, ça veut dire que Mom va nous faire tomber des... Voilà, des merdes. Bon allez. Oh putain, ça l'a one shot, trop marrant. C'est bien, c'est pas la salle de l'ennui en tout cas. Hein. Ah, c'est toi qui vois Zera. Ben honnêtement, au run où j'avais trop de vie, ça m'a vraiment pénalisé quoi. Non mais sérieux ! Oh, c'est insupportable. Bon, tant pis, j'ai perdu des HP pour ça, mais bon. Anéantissez-le. Lui! Foncez-lui dessus, voilà. Des clés, c'est toujours bien les clés. Bon, là, s'il y a des rochers marqués, hein, les enfants, on ne pourra pas s'en servir, hein. Parce que nous n'avons pas de bombe. Wow! Putain, ça, c'est vraiment ma spécialité, quoi. Je fonçais dans les trucs en oubliant les salles. Oh, la tête! Ouais mais non. Ah non mais si, c'est le corps qui était pas bien. Voilà. On a trouvé un bon item pour remplacer notre truc qui nous donnait des HP. Ça fait plaisir. Ah, l'anus, l'anus. Focus l'anus. Oh mon dieu. Oh putain, il y a des vieilles mouches. Voilà. Bon. Intéressant. Génial. C'est quoi ça? Speed down plus rage is building. Eh, rage is building, c'est pas le truc de Mario là? Par hasard? Alors, je sais plus ce que c'est. Oh, là j'ai eu de la chance, j'avais même pas analysé les ennemis. Bon, ça m'a pas empêché. Pourquoi j'ai perdu 1 milliard d'HP là? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Oh, c'est bien ça. Ça fait 1 milliard de clés. Ah non, c'est que dans l'étage, t'as plus besoin de clés, je crois. Je crois que c'est ça l'histoire. Non, mon dieu.
Non, je suis jamais devenu Guppy, pour ceux qui demandent. Alors, go ! Foncez dans le tas ! Là, c'est bien, c'est en ligne droite, c'était pratique pour moi. Ah si, c'est bien ça, c'est le truc de Mario ! Trop cheaté ! Rage is building. Trop cheaté. Non, c'est trop cheaté. Franchement, pour un mec comme moi, là, beaucoup trop cheaté. En tout cas, ça se passe de mieux en mieux, les runs de Isaac, je suis quand même content. Et donc là, oui, c'est, ça n'utilise pas de clé à chaque truc. Cœur d'absorption, très bien. C'est bien, ça. On va acheter ça. Prendre pas assez de goldes, hein. Pas assez de goldes, catastrophe. Meurs! Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a encore des salles? Pff, ouais. En fait, je pourrais aller régène, quoi. Je vais aller chercher un petit peu des cœurs. Est-ce qu'il y a des cœurs en haut? Il faut juste que j'évite de me prendre les pics. Ce sont des salles qui ont des pics. Ça, Zerator, hein. On compte sur toi. Il y en a une là? Non. Il y en a une là, je crois. Voilà, il y en a une là. Juste éviter de prendre ça. Et ce sera bon, hein. Voilà. Pas faire de conneries. On peut péter la machine à sous pour récupérer les golds. Oui, alors. Non, car j'ai stocké plus de 1 milliard de pièces dedans. J'ai pas très envie que tout ça soit réduit à néant instantanément. D'accord. Il y a un mec qui a mis sur le chat, on parie qu'il va perdre de la vie sur les pics. Ouais, ouais, on parie. 1 milliard d'euros. T'as perdu. Donc il faut que tu donnes 1 milliard. Ça va. Franchement, 1 milliard, ça va. Tu peux essayer Secret Room. Ah oui, là. Secret Room, là. Bien sûr, évidemment. C'est quoi l'item? C'est quoi la touche? C'est ça. Ah non! Pourtant elle est entourée! Pourquoi pas Secret Room là? Alors oui, il y a des salles qui sont pas faites, je sais. Je sais. Mais tant pis. Fallen, the Fallen. Hop, allez, ciao! Merde, j'ai quand même pris un HP. Merde, Friends till the end. C'est fou, vous avez des runs où vous avez que des pets tout le temps. Et d'autres ou pas du tout. Bizarre. C'est pas 100%. Ah, c'est pas 100%? Oh, d'accord. Ah. Je croyais que c'était 100% quand une salle était entourée, qu'il y a une salle secrète. Allez, hein. Voilà. Mourez. Oh mon dieu. Pff, franchement, ça me saoule les salles comme ça, là, faut aller derrière. Mourez. Mourez, mourez, mourez. Mourez, mourez. Et voilà, nous sommes Mario. Tellement cheaté, tellement cheaté. Tellement cheaté d'être Mario. Tellement cheaté. Oh, trop bien. Oh là là, attention du calme. Ouais, je suis nul. Oh, deux cœurs noirs. Putain, ça franchement c'est sympa quoi. Tu m'aides pas ça. Ah, quelle horreur. Meurs, 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 meurs. Voilà. La salle time. Oh, le soutien-gorge. On l'avait tout à l'heure. Mass fear. Mom's contacts. The peon's basement. Ça fait quoi déjà? Ah, oh putain, pourquoi j'ai une alarme? Ah, parce qu'il est 23h et que j'avais dit que je ferais un truc pour quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez en plus. Quelqu'un de l'argent du streaming. Eh oui. Vous le verrez peut-être un autre jour. C'est dommage. Quel teasing! Oh mon dieu, quel teasing! Qu'est-ce que c'est? Oh là là, what? Ça déjà, ça m'énerve. Tu connais pas, tu te fais one shot, ça me saoule. Oh Mario! Tiens, tiens, tiens! Putain. Mais parce qu'on ne peut pas tirer pendant cette phase, hein, faut le savoir. Voilà.
Tiens. Mais putain, mais... Oh, mais non, mais Zerator. Mais putain, mais... Je suis vraiment nul, hein. Quand il se passe ça, je m'en veux à moi-même. Bon, j'ai 9 clés, allons-y. Oh, la Bible. Quel dommage qu'on n'ait pas 15 goldes. Dommage. Tiens. Allez, go, hein. Attendez, parce que là, j'attends que le sang disparaisse. Voilà. Jouons pas au fifou. Oh putain. Oh non, mais merde. Ça va, j'ai pris au dernier moment, je suis trop deg. Oh non, pas Bomberman, il m'énerve. Bon, ça va. Ça m'a fait beaucoup de dégâts. C'est quoi? Reusable Bomb Buddy. Ça fait quoi? Oh mon dieu. Ah, c'est juste une bombe réutilisable, d'accord, très bien. Très bien. J'aurais dû voir si j'avais pas besoin des bombes sur une autre salle avant de le faire. Il me faut 15 gold, ce serait vachement bien. Non? Si, hein. Ouais. Allez, on dit qu'on me donne 15 gold maintenant. D'accord? Oh mon dieu! Ok, facile ce jeu. Il est dégueu l'univers du jeu. Non, je trouve pas. Alors, Secret Room, elle est là où il y a le plus de salles autour, sachant que toutes les salles autour doivent pouvoir accéder à pied à la Secret Room. Ouais, ouais. Ouais, je comprends bien. Ah là, il y a plein de petits caca. Donc, faut éliminer tous les petits caca. Et tous les trucs qui volent arrêteront de nous courser. Ça va pas être évident, je sens. Non, mais ça va, ils se déplacent tous en groupe. La génération aléatoire pourrait être bien plus méchante. C'est trop cheaté ce truc. Mais là, il met un peu plus de temps à se déclencher, j'ai l'impression. Bon, bref. Brrr. Binding of Isaac Rebirth. Blalalala. Bon, alors. Écoutez, là... Eh bien, il n'y a pas assez de gold, donc on va partir au boss. Je sais, il y a une salle qui n'est pas faite. Qui est là-bas. Bon, allons-y. Hein. Vraiment pour la forme. Je ne me déplace pas assez vite. Ah, mais il y a la salle du boss. Il y avait quoi là-bas? Il y avait un mini-boss? Ah non, j'ai déjà fait. Ah non, mais de toute façon, j'avais pas trouvé la sortie. On y va, hein. Ah, j'ai pas utilisé le... Bon, c'est pas grave. Ah mon dieu. Il y a toujours un coup de talon au début ou pas? Histoire qu'on sache. J'ai le truc de Mario. J'ai eu de la chance sur la génération aléatoire, je crois que ça m'a augmenté mes tears. Hop là. Puck. Oh merde. J'ai pris un de dégâts. Oh merde. Oh là là, putain. Excusez-moi, je suis nul. Ah, ça c'est bien ça. Tears shot speed up. Ah, j'ai un pote qui tire, c'est super. Oh là, Angel machin. C'est quoi? Colis. Flight plus... Oh, je vole! Excellent. Alors, ça fait quoi si on bombe l'ange? Voyons voir. Ça ne fait rien. Très bien. Ah, merci les meilleurs viewers, en tout cas. Bonheur total, merci beaucoup. On y va! Et ça continue et nous volons! Alors là, vu qu'on vole, croyez-moi, sacré boost, je suis plutôt content. Là, je suis content. Peut-être qu'on va réussir à retuer le Mom Heart. Heart. Bimbala. Ah, mais c'est vrai, je vole, imbécile! Que j'étais en mode, oh mon dieu, le bord, mais pas du tout. Tu pourras bomber l'ange une fois l'objet spécial débloqué. Ouais, ok, ça marche. Ça m'a fait rire de voir juste tous les gens qui étaient en mode, eh, bombe l'ange, alors qu'en fait, bah, je pouvais pas. Alors. Toujours très drôle hein, de voir ce genre de choses, hein, évidemment. 160 heures de jeu, jamais trouvé le calice. Chaque fois que je trouve un item un peu cheaté, t'as toujours un mec qui fait « Putain, j'ai 1 milliard d'heures de jeu, je n'ai jamais trouvé cet objet !» Oh quoi ? Tiens. Si j'allais au boss direct... Je crois que je vais y aller direct. Attendez, je vais aller chercher le cœur. Je vais au boss direct là, non ? Parce qu'il peut pas y avoir d'item room dans ce truc, donc du coup le focus boss est beaucoup plus cool. Nah. Par contre, j'oublie complètement d'utiliser mes items...
On y va. Il y a des mecs qui arrivent, il est 23h05, ils font... Putain, mais pourquoi ils stream encore? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tiens, crève. Oh merde, pardon. Désolé, je rigolais. Ouais, c'est pas grave, je vais te tuer. Ah, regardez. Putain, mais c'est trop cheaté. Bon, j'ai perdu masse cœur, masse HP comme un bolos. Mais c'est cheaté quand même. Allez, mourez. Et pas de Devil Angel Room, machin, rien du tout. Gothalix Emol. Go. Alors maintenant, dernier étage. Dernier étage. Oui, à partir du womb, il n'y a plus d'item room. Et tu ne prends que des dégâts entiers, pas de demi-cœur, de dégâts, donc gaffe. Quand tu voles, tu prends des dégâts. Cours autour de la salle au sacrifice. Quoi? Les intestins dégoûtants. Quand ils sautent, ils font des dégâts en diagonale. Eux, ils se collent au mur. Go! Tiens, 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 tiens. Oh merde. Oh, j'ai bien failli me faire toucher là, j'ai eu de la chance. Tiens, voilà. Alors, go! Putain, ça c'est méchant ça. Ça c'est méga méchant. Faut être toujours en mouvement. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Hein? J'ai oublié que je volais, putain. Je fais qu'oublier. Parce que j'ai pas volé depuis un bail. En fait, moi j'étais en mode Azazel, vous volez, les autres vous volez pas. Du coup, c'est vrai que dans ma tête. Eh bien, on peut pas voler avec tout le monde. Et non, pas le gratin de pommes de terre. Zera, tu voles. Oui, ça va! les cacas éliminés par la puissance. Bon bah c'est bien, on drop encore des cœurs rouges parce qu'après il y a un moment du jeu où on ne drop plus de cœurs rouges. Du coup, c'est assez gênant. Attendez, pourquoi je vois la salle du boss là? C'est une blague ou quoi? Oh putain. Oh putain, putain. Pourquoi je vois la salle du boss? Il me semble que je voyais la salle du boss sur le bas. Speed up. Cool. Tears down. Non merci. Télépills, on verra. Tears down. Bon, télépills. Est-ce que je m'en sers? Attendez, pas tout de suite. C'est rigolo, télépills. C'est une forme de random assez rigolote. Putain, j'ai perdu tellement d'HP dans cette salle nulle. Ah, il y a mon double maléfique. Ah, il jette des projectiles. Méga vénère. Voilà. Il était méga vénère, hein. Oh putain, oui j'ai compris que la porte à pic ne faisait des dégâts qu'au retour, j'ai bien entendu, j'ai bien compris ça. Ah bon, alors allons-y. Hop. Et du coup, télépills. Ça pas de dégâts au retour. Oh putain. Bon ça va, c'est juste à côté de là où j'étais en fait. Voilà. Ah. Allô ? Bon boss, on y va. Hein. Allez, go. Go! Mom's Heart! En fait, la seule fois où j'ai affronté ce truc, je l'ai one shot. Et l'autre fois, bah, c'était bizarre. En fait, je comprends pas comment on peut éviter tous ces dégâts. Mais putain! Je peux pas tuer ce truc! Et voilà. Et donc là, si on veut continuer, on va là, c'est ça? Ah non, on va dans un Devil Room pour continuer, pour inventer Satan. Mais là, je ne peux pas. D'accord. Bon bah très bien. Il y avait un cœur d'absorption, je crois. Bon, bah, on a fini. Transcendance a apparu dans le basement. You unlocked challenge 6. Et bien voilà. Ainsi s'achève cette soirée Rogue Against the Machine. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était... Faut jouer vachement loin Zera pour pas prendre de dégâts sur le Mom Heart. Ok. Bah là c'était bien. Là c'était bien, c'était bien. Tu as énormément progressé dans ce jeu Zerator. Je ne voulais te remercier aussi pour tout ce que tu fais quotidiennement pour nous. Malheureusement je n'ai pas de carte de crédit. Seulement carte de retrait. Je ne peux donc pas te faire un don. On se verra à la page W pour un don IRL. N'importe quoi. Merci à vous d'avoir suivi cette soirée Rogue Against the Machine. J'espère que ça vous a plu. Et...
Et voilà. Merci à vous. On a bien rigolé. On se retrouve donc dimanche pour l'Independence Day. Car la fin de la semaine chez Lazerator Télévision, c'est le jeudi. On est jeudi, c'est ça? Oui, jeudi. Donc on se retrouve dimanche 18h pour l'Aventureur Stone en début de soirée. Et après, l'Independence Day. Ça va être une sacrée soirée. Bien chargée et bien fun. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne nuit et un très bon week-end. Ciao, bye bye. À dimanche. Soyez au rendez-vous. Les jeux seront cool. Comme d'habitude. Et il y aura une pute à clic, évidemment!